viens vous parler d'une nouvelle routine que j'ai décidé d'essayer. Sur cette chaîne, régulièrement, j'essaye une nouvelle routine, c'est-à-dire que je prends des produits d'une même marque, je ne prends que cette marque et je l'utilise pendant au moins 40 jours pour voir quels sont les vrais effets sur ma peau et je vous dis ensuite ce qui se passe. Je sors d'une routine La Roche-Posay qui s'est super bien passée. J'avais envie cette fois-ci d'aller vers une routine plutôt naturelle. J'ai mis du temps à la trouver parce que je suis quand même assez difficile en termes de prix, de facilité d'utilisation. J'ai fini par trouver quelque chose qui me convient a priori. On va voir maintenant dans la réalité des faits ce que ça donne. Donc la marque que j'ai choisie, c'est la marque Patika. La marque Patika, voilà, la marque Patika, c'est une marque qui est complètement bio, qui est certifiée EcoCert. Toute la gamme est certifiée EcoCert. La première chose que j'ai prise, c'est un sérum repulpant fondamental. Donc, je vais vous le montrer. C'est un sérum repulpant fondamental. J'ai payé ce produit pour 30 ml, 79 euros. Je l'ai acheté, j'ai acheté toute la gamme au bon marché. C'est pas un produit donné et en même temps, c'est un petit peu le prix des crèmes que vous achetez et qui ne sont pas bio. Si vous voulez, il y a un moment où il faut arrêter de faire et de dire n'importe quoi. Pourquoi? Il faudrait que les produits bio soient donnés, hein? Si on veut en plus qu'ils aient une jolie texture, qu'ils soient efficaces et qu'ils aient une jolie présentation. Moi, je pars du principe que s'ils ont tout bien comme les autres, ben, ils doivent avoir le même prix, si ce n'est plus, puisqu'il y a un véritable effort de recherche et développement pour trouver des produits qui sont complètement bio. Les promesses de ce sérum sont: il lisse les rides grâce à de l'acide hyaluronique de haut poids, grâce à des polysaccharides d'avoine, grâce à des micro-algues marines. Il repulpe et redonne de la souplesse grâce à l'acide hyaluronique et grâce à l'extrait de wakame. Et ça raffermit et ça redessine les contours, toujours grâce à l'acide hyaluronique et à des hexapeptides. Donc, les promesses, c'est que les rides sont comblées, les ridules lissées, la peau plus ferme, intensément hydratée et elle est infiniment confortable et elle retrouve son éclat. Donc pour ce qui est du côté bio de la chose, on sait qu'on a plus de 99% des ingrédients qui sont d'origine naturelle et on a 60% qui sont biologiques. Donc voilà la texture. C'est un flacon pompe et c'est un gel. Ok, c'est un gel. Ça sent franchement bon. Je sais pas ce que ça sent. Je pense que ça sent un tout petit peu comme les... Ça sent la fleur, en fait. Ça me fait penser aux essences de... ou aux eaux florales de géranium. Est-ce que ça colle? Vous savez que moi, je suis sensible à ça. Hein, le sérum Yalu B5 de chez La Roche-Posay, il collait. Bah, celui-là, il colle aussi. Hein. Bon, je crois que c'est les sérums qui veulent ça. Ce sérum, en fait, il va me servir de crème de jour. Peut-être que j'en mettrai une de plus au-dessus. Je sais pas encore, je vais essayer de le mettre comme ça, c'est-à-dire de ne pas mettre de crème au-dessus. Parce qu'en fait, ça va faire sérum et sérum, mais bon, on va voir. Hein. On me l'a conseillé comme ça, donc bah, écoutez, je vais aller comme ça. Sur Beauté Test, le sérum repulpant fondamental est noté plus de 4, donc 4,5 je crois, ou 4,4. Qu'est-ce que disent les femmes quand elles parlent de ce sérum? Elles disent « Enfin, j'ai trouvé l'unique ». Génial. Très bon produit qui embellit la peau sur le court et le long terme. Je l'utilise depuis un mois avant la crème universelle et après le gommage de la même marque. Prix élevé, mais une seule pression suffit pour tout visage et le cou et ça dure longtemps. Une autre dit peau bien hydratée et lumineuse. Donc celle qui dit peau bien hydratée et lumineuse, elle a plus de 60 ans. Pour moi, ça c'est vraiment important parce que ce qui compte pour moi sont les avis de femmes qui ont besoin d'être repulpées. Hein. Donc celle qui dit que c'est un très bon produit qui embellit la peau, elle a entre 50 et 55 ans. Finalement, des femmes qui ont au-delà de 55 ans trouvent que ce produit est bien et leur fait du bien et visiblement a un effet positif. Le deuxième produit que j'ai acheté, parce que effectivement j'ai besoin d'être repulpée, mais j'ai aussi une tendance à avoir des taches. Vous l'avez sûrement remarqué. Je fais partie de ces femmes qui ont eu beaucoup de taches de rousseur quand elles étaient jeunes filles.
De par mes origines, j'ai un peu tendance à développer les taches de rousseur, mais pas des taches de rousseur jolies, mignonnes, vous savez, comme on se les dessine aujourd'hui avec des petits crayons. Non, des bonnes vieilles taches de rousseur grisâtres qui, l'été, me donnaient un teint gris, vous voyez, quand j'étais bronzée. Donc, cette tendance à avoir des taches, ben, elle est restée avec l'âge. Effectivement, quand je vais au soleil, je suis remplie de taches de rousseur. Et j'ai des taches qui restent après le soleil. Donc j'ai beau mettre des écrans solaires, j'ai beau même mettre des écrans solaires sous mon fond de teint, j'ai des taches. Donc ce que j'ai décidé, c'est de prendre un sérum correcteur anti-taches de chez Patika. Donc c'est un autre sérum que je vais certainement mettre sous celui-ci. Et il coûte 59 euros. Ah, je vais vous dire, mon porte-monnaie, il s'en est pris un coup là tout à l'heure. Il est noté 3,7 sur Beauté Test. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De la fougère des mers. Et c'est ça qui permet d'estomper les taches et de prévenir leur apparition. Ce qui permet d'illuminer et de lisser le grain de peau, ce sont les baies de goji. Ce qui hydrate et assouplit, c'est de l'acide hyaluronique de haut poids et de l'acide hyaluronique de poids intermédiaire. Donc l'idée, c'est d'en mettre matin et soir. Ce que promet ce sérum, c'est 79% d'efficacité sur les taches pigmentaires et 80% des gens disent que le teint est unifié et homogène. Quand on regarde vraiment la composition de près, on se rend compte quand même que l'eau de fruits et de framboises est le premier ingrédient. Ça, c'est vachement sympa, parce que d'habitude, le premier ingrédient, c'est juste de l'eau. Là, c'est quand même une eau végétale, visiblement, chargée de fruits. Hein, donc ça, c'est super sympa. Donc ça, ce sont les deux sérums que j'ai choisis. Un pour repulper ma peau et l'autre pour enlever les taches. Donc je vais mettre ça pendant 40 jours et on verra ensemble si ça marche ou si ça marche pas. La troisième chose que j'ai achetée, bien évidemment, puisque je suis tombée amoureuse de Substiane chez La Roche-Posay, que j'avais un mal de chien à m'en séparer, c'est un gel énergisant pour les yeux, donc un contour des yeux. Et c'est aussi pour ça que je suis allée chercher la marque Patika, parce que je ne trouvais pas dans les marques naturelles un contour des yeux qui me satisfasse. Donc là, j'ai une promesse qui me paraît sympa. Voilà, donc Patika, ce gel, le gel contour des yeux, il m'a coûté 34 euros. Il est noté 3,4 chez Beauté Test. Pour 15 ml, donc j'ai payé 34 euros. Et c'est donc un gel énergisant yeux qui est supposé être anti-fatigue et qui donne de l'éclat aux yeux. Plus particulièrement, on y parle aussi de poche. Ce qu'on me dit, c'est que l'exposition répétée à la pollution, etc., aux lumières bleues favorise le vieillissement cutané, bien sûr. Parfaitement adapté à la zone sensible de l'œil, ce gel va lisser les rides et les ridules. Et comme il a un effet fondant, glaçon, il va éliminer les traces de fatigue. Donc, ce qui m'a intéressé beaucoup dans ce gel, c'est la présence de caféine dans le produit. Quoi ? Parce que la caféine est vraiment connue comme étant drainante du contour des yeux. Les résultats, jour après jour, une peau repulpée, les rides qui sont les ridules, les poches et les cernes sont visiblement atténuées et le regard s'ouvre et pétille de fraîcheur. Ça, je suis toujours un petit peu perplexe par rapport à ça. Donc matin et soir, application de ce produit. Quand j'ai été acheter ces produits, on a eu la gentillesse de m'offrir un masque hydratant intense que je mettrai de temps en temps, qui a l'air assez sympa. On m'a donné également une huile qui est vraiment l'huile de référence, le produit de référence de chez Patika. Il faut que vous sachiez que Patika, c'est une marque totalement parisienne. Elle a vu le jour en 1920 grâce à cette huile. Cette huile qui est un composé de 12 huiles qui paraît-il, ont un effet absolument miraculeux sur les effets de l'âge et qui a été considérée pendant longtemps comme le produit miracle des parisiennes. La marque Patika, du grec apothéqué, c'est-à-dire apothicaire, en fait a été créé par un apothicaire en 1922 et cet apothicaire, il a donné naissance à cette huile qui est vraiment le produit de référence
le produit phare de Patika. Cette huile absolue, habituellement, elle est sous forme de 50 ml et elle n'est pas loin des 50 euros. Hein. Je pense qu'elle doit valoir 48 euros, quelque chose comme ça. Nous, on va essentiellement se concentrer sur les trois produits dont je vous ai parlé. Le sérum correcteur anti-tache, le sérum repulpant fondamental, le contour des yeux et puis à côté, on mettra un petit peu d'huile absolue de temps en temps, on fera un petit masque hydratant. Et puis, on m'a donné ça aussi. Alors ça, on ne l'a pas donné au magasin, mais on me l'a donné par ailleurs. C'est un cadeau qu'on m'avait fait. C'est une brume hydra-défense anti-pollution, bouclier urbain, protection cellulaire. Alors en fait, c'est un spray, vous voyez, qui se met comme ça. Ça sent super bon. Donc, c'est un spray que l'on met sur le visage pour vous protéger de la pollution, pour vous protéger des lumières bleues. Je suis en train de dégouliner, c'est rigolo ce truc-là. Et puis, il paraît que ça prévient les signes de l'âge, donc plutôt simple. Je vais appliquer ça pendant 40 jours, vous verrez dans mes chit-chats du matin ou mes chit-chats du soir que j'utilise ces trucs-là. Au bout de 40 jours, voire plus si j'ai pas l'énergie d'arrêter, comme ça m'arrive parfois, peut-être 2 mois, des fois je vais jusqu'à 2, 3, 4 mois, à la repose, je fais 4 mois. Je vais au bout des bouteilles en fait, donc voilà, je gaspille pas, surtout quand c'est vachement bien. Il y a des crèmes que j'arrête au milieu parce qu'elles sont tellement impossibles à appliquer, épaisses, insupportables sous maquillage, j'arrête quoi. Bon, tant pis, hein, je gaspille, mais il y a un moment où moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir quelque chose d'agréable sur le visage. Je suis tout le temps en train de penser à ce que j'ai sur le visage, ça va pas. Écoutez, elle part bien cette routine parce que je trouve que les peaux sont jolies, que l'odeur est sympa, moi j'adore quand l'odeur est sympa, que la promesse est belle, que les textures sont sympas, donc ben on y va quoi. Et puis on va voir, hein, on va voir. Si vous avez déjà essayé ces produits, que vous en pensez quelque chose, que vous avez une idée, bonne ou mauvaise, ben mettez-moi-le en commentaire et puis dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, je vous embrasse, ne lâchez rien et puis à très bientôt.